Hello world, c'est Mouchou. Salut, c'est l'heure du tuto. Et oui, ça faisait un bon petit moment que j'avais pas fait du tutoriel Bleach, bref Soul. Bah tout simplement parce que j'avais déjà dit pas mal de quasiment tout ce qu'il y avait à savoir quoi. Après derrière, bien évidemment, on le voit par des gameplays, etc. Comme vous voyez, je vous fais aussi des analyses de portail, je vous explique les intérêts des personnages. Donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Mais là, on va dire, il y avait un dernier point à la rigueur que souvent, régulièrement, on m'a posé la question, savoir ce qu'était la résurrection, donc ressusciter un personnage. Donc bien évidemment, ressusciter un personnage n'est pas le faire mourir puis le faire revivre, ce serait un petit peu glauque, dirons-nous quoi. Donc là en fait, tout simplement, en fait, ressusciter un personnage, c'est tout simplement un personnage qui est déjà maxé, donc c'est-à-dire level 200, donc c'est Kara Link, on s'en occupe pas, c'est juste uniquement le niveau du personnage, et donc quand on va dire à ce niveau 200, on peut le faire monter encore un palier supérieur en quelque sorte. En fait, vous savez que de base un personnage a un sous-trait, donc par la résurrection, vous aurez droit à deux sous-traits. Un peu comme les personnages Frenzy qu'on a régulièrement quoi. Donc bien évidemment, pour pouvoir faire ce genre de choses, il vous faut donc trois éléments. Premier élément, avoir un personnage donc maxé level 200. Le grand classique. Deuxième élément, avoir des ressources. Beaucoup de ressources. Parce qu'une fois qu'on va dire que vous aurez passé le défi pour pouvoir avoir la résurrection, on vous demandera pas mal de ressources. Et ensuite, il faudra une troisième chose. Donc vous aurez besoin donc de rubans, et donc ces rubans en fait sont des quêtes que vous avez comme pour les cristaux ou les gemmes en fait. Et donc je vous dirais, même en les en x5, vous avez la chance s'il y en a un qui tombe. Et donc faut savoir que pour augmenter la capacité de Soul Trait, donc le deuxième, il faut avoir donc 5 items de rubans. Donc d'où le côté farm. Donc là maintenant, après cette explication plus on va dire en théorique, on va passer au côté pratique et comme ça en visuel pour vous rendre compte de comment on monte tout ça. C'est parti pour voir ça. Donc comme dit, passons à la pratique. Et pour cette pratique, j'ai choisi un personnage mythique, forcément, le héros du jeu et même du manga, un Ichigo, la première version tant qu'à faire, hein, histoire de faire un petit clin d'œil. Et donc vous voyez que ce personnage est donc maxé de ce qu'il peut être, donc en 6 étoiles, en level 200. On voit que par rapport à d'habitude, en bas à gauche, au lieu d'avoir marqué Soul Tree, il y a marqué Résurrection, tout simplement parce que l'arbre, je l'ai complété à 100%. D'où la petite case qui s'est remplacée. Et donc quand on va appuyer dessus, on va vous demander de « Est-ce que vous êtes prêt ?» Parce qu'en fait, votre personnage, là, on va le faire redescendre à un niveau... Enfin, si vous réussissez, bien sûr, le combat qu'on vous propose. C'est un défi, en fait. Parce que pour ce défi, vos compétences, on va dire, ne seront pas actives. Donc forcément, ça va se taper mano à mano. Donc assez long comme combat. Faire attention parce que les coups font très mal, donc au bout de quelques coups on peut mourir. Donc après bien évidemment on peut recommencer indéfiniment, mais voilà quoi, ça prend sur les nerfs. Donc là vous allez voir l'exemple, on va se taper contre en fait le Ichigo. Donc là pour l'instant je suis toujours level 200 en 6 étoiles. Je passerai donc en level 6 étoiles, mais version plus les petites étoiles jaunes, les petites étoiles un peu rose-violette, un peu comme ça quoi. Pour faire un peu joli quoi, pour changer un peu le style quoi, histoire de. Et donc surtout voilà, pour gagner pas mal de choses après derrière. Donc allons-y, joyeusement. Donc mon conseil en fait, tout simplement, pour ce run là, vous prenez pas la tête, n'essayez pas de taper en corps à corps. Vous faites, utilisez vos strong, voilà, vos attaques puissantes tranquillement, et vous fuyez. C'est plus simple, c'est fastidieux, mais c'est le plus simple. Donc là on va accélérer, comme ça, ça ira plus vite pour le combat. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez fastidieux, c'est assez simple comme technique, mais voilà, ça c'est rapide à faire. C'est le plus simple.
Et donc, bien évidemment, on a droit à sa petite animation pour dire « Hey, je t'ai fait passer en résurrection. Ouais, trop cool. » Ouais, donc c'est quand même joli, quand même. L'animation est quand même jolie. Et donc, comme dit, ben voilà, on est toujours en 6 étoiles, donc heureusement, vous me direz. Mais bon, on est repassé donc niveau 1. Eh oui, donc niveau 1, forcément. Et là, donc on voit du coup qu'en bas à gauche, maintenant, on a de nouveau qu'apparaît le Soul Tree. Faut savoir que dans ce Soul Tree, on vous demande un peu plus de choses qu'avant. Un peu plus. On vous demande aussi, pareil, des personnages, Silver, à débloquer. Un peu plus. Donc, de façon simple, on peut le faire comme je le fais. Donc avec des renforcements automatiques. On renforce. Hop. Donc là, c'est la première partie pour débloquer. Et donc, vous voyez, donc par la côté facilité d'avoir des gemmes en stock et des cristaux d'XP en stock, ça va un peu plus vite. Et donc là, vous allez pouvoir voir, dès qu'on passe, donc qu'on a maxé justement à 150, qu'est-ce qu'on gagne? Padam! De nouveau 75 orbes. C'est ce qui fait plaisir, ce qui me motive aussi en plus pour pouvoir justement faire monter ces personnages-là. Sinon, sans ça, j'aurais un peu la flemme. Une fois que vous avez maxé donc là jusqu'à 150, donc vous avez vu que maintenant qu'en bas à gauche ça a encore changé. Donc maintenant à la place de la case Soul Tree, on a maintenant libération, comme pour on va dire une montée de personnage standard. Sauf que pendant cette libération, comme vous allez voir, on pourra débloquer donc du coup le deuxième Soul Tree. Autre intérêt donc de maxer justement ces personnages et les mettre en résurrection. Comme pour l'habituel des 200, on vous demandera des larmes. Sauf que là, vous voyez pour la compétence que je vous disais, on vous demande des rubans. Eh oui, donc des rubans, donc là, donc de force, qu'on me demande, on demande 5. Donc le côté pratique, c'est qu'on peut les avoir d'une certaine manière. On peut avoir donc les rubans via donc l'échange des médailles, donc que vous avez grâce au battle. Donc vous allez dans, en fait, tout simplement en matériau de renforcement. Et là, vous verrez marquer les rubans, donc vous n'aurez plus qu'à choisir en fait ceux dont vous avez besoin. Donc vous avez vu ce qu'il y a de pratique, c'est qu'ils sont fois par 5. Donc du coup, vous pouvez les prendre directement. Là, malheureusement pour moi, le rouge, je l'avais déjà pris pour faire monter le Kenny. Donc du coup, on va devoir farmer. Donc c'est l'autre manière pour justement avoir ces rubans que je vais vous montrer. L'autre endroit pour avoir donc les rubans se trouve en fait dans les nouveaux événements en fait, qu'on a rajoutés au fur et à mesure. Et donc dans ces événements, on trouve le cours de transmigration qui se trouve en bas. Et donc en fait, vous allez dessus, ben, c'est comme pour les autres quêtes, on a des affinités donc de couleurs. Il n'y a plus qu'à choisir celle qui nous correspond. Donc là, c'est la force qu'on a besoin. Là, le mieux tant qu'à faire, c'est de prendre un personnage, bien évidemment, d'affinité opposée pour taper plus rapidement et liquider plus rapidement. Et surtout, utiliser le ticket x5 pour que ça aille beaucoup plus rapidement. Enfin, beaucoup plus rapidement, c'est parce que le taux de drop est très misérable. Donc du coup, si vous voulez en avoir, on va dire par 5, vous avez une chance d'en avoir au moins 1. Au moins 1, j'ai bien dit. Sinon, c'est fois, c'est par 10. Donc là, par rapport à ce qui différencie, vous allez vous rendre compte, c'est qu'on a, on n'a pas un run à faire complet avec plusieurs paliers, on a juste directement un boss. Donc là on va se mettre sur la flèche musée que je vous ai dit. Allez, un petit boost. Et généralement on fait une ulti, c'est terminé. Ah, pas forcément. Et comme vous avez vu, on peut jouer en auto hein, parce que c'est très très simple. Enfin, quand le personnage est 200 bien sûr. Ça dure quelques secondes, mais voilà, le drop n'est pas fameux. Comme je vous disais, voilà, on en a fait 5, chou blanc. Donc là, je vais continuer à faire d'autres runs jusqu'à cumuler les 5 qu'il faut, et on retournera pour continuer à maxer le personnage de Ichigo. Donc de retour maintenant sur le personnage, donc là finalement ça a été assez rapide, j'ai fait... j'ai dû faire environ... je disais 30 tickets, quelque chose comme ça à peu près là, et donc j'ai mis 5, donc là c'est plutôt cool, j'ai mis 5 rubans. Donc là comme vous voyez, voilà, par rapport on va dire aussi effectivement à avant qu'il soit on va dire en résurrection, bah effectivement avant c'était 80 larmes qu'on vous demandait et 160 pour une infinité spéciale de couleurs, là c'est tout à 100. Ouais, ouais, bon, pas plus mal, pas plus mal. Et donc maintenant du coup on va débloquer tout ça.
Et là donc du coup maintenant il a pris un deuxième sous-trait, celui d'avoir on va dire moins 55% sur la paralysie. Donc là vous me direz que cet effet là n'est pas forcément le plus hypant qui soit, mais pensez à autre chose. Un deuxième sous-trait pareil, on est à 100% de moins, enfin dire moins de paralysie, enfin moins 100% de paralysie. Ça aide, ça aide. Donc après une fois que la compétence est du coup débloquée, bah le temps qu'à faire on va dire on va le maxer jusqu'au bout hein. Ce que je vous dis après, si vous le linkez à un personnage qui a ses caralignes débloquées, tout bénef pour vous. Oui, vive les XP. Vive les cristaux d'XP. Hop là, un personnage tout frais. Voilà, donc vous avez vu comment ça se passait, donc pour pouvoir tout simplement maxer votre personnage en résurrection. Jusqu'au bout. Ouais. Et maintenant on a un nouveau Ichigo qui est prêt. Ouais. Et donc vous allez remarquer aussi un truc. Vous voyez maintenant que ces stats qu'on avait, on va dire, avant qu'ils soient en résurrection, bah elles ont été boostées. Donc là, effectivement, c'est pas grand chose, vous me direz, mais l'air de rien, il a des stats maintenant un peu plus actuelles, faut dire, pour un personnage de sang, entre guillemets. Et là, vous retrouvez donc bien en bas à droite le sous-trait double. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous aidera pour vos futures farms et vos futures idées de maxer vos personnages et les rendre encore plus badass. Donc faut savoir, on se dit que effectivement le côté de maxer ces personnages-là pour les ressusciter n'a pas forcément grand intérêt, mais en fait c'est faux, pour deux raisons. La première, c'est que vous allez gagner 75 orbes, comme vous avez pu le voir, lorsqu'on fait monter le personnage, puisque quand c'est à redescendre, on le fait remonter, donc de nouveau 75 orbes. C'est cher payé, effectivement, beaucoup de temps, mais 75 orbes. Vous avez commencé au bout d'un moment quand le compte il est bien rempli. Oui, c'est des orbes qu'on prend. Et deuxième chose, c'est que vous avez des types comme des personnages frenzy. Et comme vous avez remarqué, leurs stats sont élevés, enfin sont plus élevés qu'à l'origine que quand ils étaient en 200 classiques. Donc la résurrection permet d'avoir de meilleures stats, donc quand vous les linkez pour le Karalink, bah ça vous aura de meilleures stats justement pour le personnage. Pensez-y. Moi je vous conseille, moi ce que j'ai fait en premier, moi j'ai commencé à maxer principalement les personnages avec temps de recharge pour les attaques puissantes. Donc comme ça du coup ça fait un temps de recharge plus des fois par exemple une attaque puissante ou moins 50% avec le feu. Vous en prenez deux comme ça par exemple, vous avez déjà 100% avec le feu. Vous voyez ce que je veux dire, pour les quêtes de guilde, ça peut être pratique. Limiter feu pour tracer sa route, voilà. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur les pages de Facebook et de Twitter à The Mushu World pour avoir plus d'informations sur les vidéos à venir et aussi autres news qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez aussi me retrouver donc au groupe Facebook, bien évidemment Bleach Brave sous les fers. Je suis modérateur, donc j'y suis et je réponds à toutes les questions. J'aide comme je peux. Bien évidemment aussi, vous avez le côté personnel du Mushu, on va dire sur l'Instagram, à MushuTMW. Donc n'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou. Et le grand point que chaque fois je vous sollicite, bien évidemment, c'est d'aller sur mon Tipeee. Parce que sur mon Tipeee, vous pouvez faire des dons ou tout simplement visionner des clips pour aider à soutenir la chaîne. 3 minutes de clip, un choix entre 3 clips. On fait un petit café, on prend une petite pause, on cherche des trucs sur internet, on met le clip en même temps. Mushu Sensei, toujours présent pour vous. N'hésitez donc pas à me dire si vous avez besoin d'autres conseils et d'autres aides ou des vidéos qui pourraient intéresser aussi et aider d'autres joueurs comme vous. N'hésitez pas, je suis là. Mushu, c'est comme un papa, il prend toujours soin de nous. Sur ce, bon farm, bonne étude, et à très bientôt. Tchou tchou.